Voici une liste de 48 versets bibliques pour être remplis de foi, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Genèse 21, 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Un Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel,
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jérémie 1, 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 4, 38 à 39. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 9, 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc 10, 19. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 11, 9 à 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 4, 20 à 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Corinthiens 12, 9 à 10. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me réjouirai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6, 13 à 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Hébreux 6, 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 1, 2 à 3. Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 1, 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie qu'en écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.